Huh? What's taking Storm so long? Just sit down and relax. Chill, Wave. Really, Jet? How can you be so relaxed at a time like this? Don't you see? As the leader, you've got responsibilities. Some you understand, but you... Huh? I think it's time for a little fun. Even bother. Unless I take charge, nothing ever gets done here. Bonjour tout le monde, c'est Malbub pour White Cave sur Sonic Rider. Tout simplement, on se retrouve à l'épisode 4. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais être super bien, comme à l'habitude. C'est une super phrase de youtubeur très professionnel qui dit comment allez-vous, parce que moi je suis super bien. C'est toujours... Oh mais vous êtes sérieux. C'est... Non. 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 Bonjour tout le monde. Non, c'est... Je déconne, c'est le gars qui fait semblant qu'il... qui reprend la vidéo, mais non. Oh non, c'est la suite de la vidéo. Mais tout simplement, on va poser la question du jour avant que j'oublie, parce que la dernière fois j'ai quasiment oublié la question du jour. Là je suis extrêmement dans le temps pour réussir. Mais tout simplement, la question du jour va être très simple, vous allez voir. C'est pas non plus hyper loin comme question du jour, c'est tout simplement une question que j'aimerais savoir votre avis par rapport à tout ça. C'est tout simplement Sonic Projet, tout simplement Sonic Projet 2007, j'allais dire 2006, mais c'est pas 2006, c'est bien 2017 aussi, hein. Moi j'ai 2006, mais c'est pas la 2007 plutôt, c'est pas vraiment le même jeu ou peu importe. Mais tout simplement, j'aimerais savoir ce que vous attendez des Sonic Mania et Sonic, ou le projet Sonic aussi. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez, puisque j'aimerais avoir votre avis, pour savoir si c'est des jeux qui vous intéressent, est-ce que vous attendez beaucoup de tout ça, sachant que moi, de mon côté, c'est sûr et certain que je fais le let's play. Donc ça, c'est une bonne chose là-dessus, j'espère que vous allez attendre pas mal le tout. Mais comme je vous dis, c'est un jeu que j'attends grandement de trucs par rapport à tout ça. Je m'attends à un très bon jeu. Et c'est juste de savoir ce que vous en pensez, ce que vous attendez du jeu, ce que vous espérez avoir dans le jeu, ce que... N'importe quoi. Merde. Je pensais que ça pouvait cut, mais finalement ça cutait vraiment pas. Donc c'est tout simplement ce que j'aimerais savoir par rapport à tout ça. Pour savoir votre avis via ce jeu. Bah ces jeux plutôt, hein. Parce que je m'attends quand même beaucoup... Pourquoi là je voulais sauter, je comprends pas. Je m'attends quand même beaucoup de ce jeu. Voilà, on va arrêter de dire les 10 millions de fois la même chose, parce que je pense que vous avez compris. La dernière fois, ça avait tout simplement laissé avec la Team Babylon. On était toujours rendu là-dedans. Tout simplement, Storm avait fait une mission parce que Eggman semble faire des petites cacheteries de son côté, mais on sait pas trop c'est quoi. Donc c'est un grand dénouement de je ne sais pas ce qui se passe. Là, je viens de perdre extrêmement beaucoup de temps en ce moment. Ah oui, il y a un bot qui est juste à côté de moi. Nice. Hop. Il est allé beaucoup plus rapidement que moi. Hop. Je pensais peut-être me rendre là-bas, mais finalement non. J'ai pas envie de me faire toucher par un boost que j'aurai en pleine gueule. Waouh, bon, niveau 2, c'est déjà une bonne... Chut, non, t'es sérieux. Je vais perdre toutes mes wins. Bon, ok, je n'ai regagné 20, c'est quand même pas si mal là-dessus. C'est le dernier tour, donc il va falloir vraiment se performer au max. Cette course, je la trouve pas si originale que ça. Je la trouve très vite de sens. Extrêmement beaucoup trop vite de sens. J'ai l'impression de faire... 3 millions de fois la même chose. Non! J'ai raté complètement le saut. Ah, fais chier ça. Oh, je viens de perdre. C'est fini, parce qu'en gros, si t'as pas réussi à battre ça ici, ça fait oui, et perdu. Donc, on va se reprendre. Oui, j'aimerais bien réessayer, parce que si je ne réessaye pas, on va jamais continuer le jeu. Donc, c'est comme je dis, cette course, je la trouve vide un peu. Je vois pas le gros fun de cette course. Peut-être qu'un jour je vais la comprendre, mais en ce moment je la comprends pas. Et en plus le départ je le comprends vraiment pas non plus. Achou!
J'ai manqué mon saut. C'est pas si grave, hein. On va... Oui, nice. Non. Je pensais l'avoir eu. Cette rail est quand même casse-couille quand je pense. Elle te donne super beaucoup d'avantages, mais après elle te... What the fuck? What the fuck? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ah, je comprends tellement pas ce qui s'est passé. Je suis genre sorti de la map et je suis revenu. Vous pouvez m'expliquer si c'est please, je comprends pas. Je suis comme apparu dans un monde parallèle de chez quelque part, je ne sais pas trop où. Je suis apparu quelque part, c'était cool, c'était sympa. Bonjour, rebond encore une fois. Et hop! Je vais juste essayer de prendre des rings, s'il vous plaît. J'essaie juste de prendre quelques rings. C'est tout ce que je demande. Ok, là au moins j'ai eu les deux rails. Ça c'est bien. Ah ok, je pense j'ai compris ce qui s'est passé. C'est que j'ai embarqué sur le truc de fly, que normalement je suis incapable d'y aller. Et je suis monté en haut. Et c'est là que je me suis rendu par la suite. Oui, je comprends mieux. Et hop. J'étais vraiment concentré là. Des fois ce jeu, je suis tellement en mode comme... Non mais... C'est la baffe quasiment qui coule sur le côté. Non mais voir que j'ai raté ça et ça ici. Là, je viens de perdre vraiment beaucoup de temps avec des conneries. Je pense que c'est pas le dernier tour. Hop. Ok. Donc là faut se concentrer ici. Oh, s'il te plaît. Ok, ok. Jusqu'à maintenant, j'ai quand même pris l'avance. Je crois bien. Oui, je suis en bonne avance. Il me manque quelques rings pour monter le niveau. Ce qui serait quand même bien à mes yeux. Parce qu'en ce moment, je suis comme en panne de... Je pensais que je l'avais manqué. Oh, j'aurais tellement voulu tout le restant de ma vie. Là, j'ai pas le choix d'avoir en haut. Nice, voilà. Normalement, c'est gagné. Oui, c'est gagné, en plus il a manqué, donc nice. Et hop, puis on descend. Et la fin du niveau. Nice. On va pas recommencer encore une fois, parce que ça me tentait vraiment pas de recommencer. Si on avait recommencé, je pense que je m'aurais tapé une grosse balle. Oui, taper une grosse balle. Je sais pas ce que ça vous voudrait dire, ce que ça l'apporterait comme principe, mais bon. On va dire que c'était cool. Boss! Sorry to keep you waiting for me. How'd it go? Take a look at this, boss! Gimme! Uh-huh, yes! Hmm? Is this... What is it? It's an entry in Eggman's diary. It's about the Babylon treasure from our ancient ancestors. I got those bird brains to believe that Babylon treasure was just a gem! I can't believe they fell for it! What fools! Can you believe the real treasure is the ancient but advanced technology of the Babylonians? What irony! I found a story about a boy who received an angel wing from the Babylonians as a gift. The story says that with it, the boy was able to rule the world. And this was just a gift. I'm anxious to find this technology as soon as possible. Imagine the vast possibilities of the technology they must have kept for themselves. Oh man, I guess it's not a gem after all. Hmm. Oh well, guess this was just a wasted effort. Too bad, really. I haven't the slightest interest in world domination or advanced technology. Hey, wait a second, okay, Jet? While Eggman may not look smart, he is. He has an IQ of 300, after all. If he's interested in this technology, it must have value. Are you saying there's profit in this? Think about it. It may be more valuable than finding silver or gold. Ah. Why'd you do that? I was just having this great daydream! Come on, Jet. It's time to go back to the race. All right,
Let's finish this! Then we'll finally get the treasure of Babylon! Donc, Dark Desert. Et oui, on se retrouve la nuit, parce que lol, c'est Pokémon Lune. Donc on peut voir que Eggman s'est tout simplement foutu de la gueule des Babylon Rogue. Pour être étonnant hein, quand même, parce que... Tu sais, en même temps, Eggman, depuis quand il était gentil ou fait des trucs gentils? Oh, jamais, hein. Je pense que c'est jamais arrivé, donc... c'est pas d'aujourd'hui que ça va non plus fonctionner. Donc j'adore cette course, surtout pour le départ, et surtout pour la musique aussi en général, que j'ai toujours bien aimé. Qui donne tellement... fil à retordre. Non, j'ai manqué les... Oh, j'ai manqué les rings. J'ai manqué le gros truc de rings. Ça aurait été trop bien si je l'avais eu. Donc là, il faut aller côté speed. Hop. Et là, on clenche la course trop facilement comme ça. Et pop. Donc ce que j'aimais beaucoup de cette course, c'est qu'il y a beaucoup de trucs spéciaux. Comme là, on est dans une bulle et je comprends pas trop le principe. Ah ouais. Il faut que j'aille ici. Hop. Il est complètement manqué. Ah non. Finalement, il y a quand même eu une partie. Hop. On arrive ici, ça c'est la fin. Bon, Sonic est juste en arrière de moi. J'ai pas envie qu'il m'énerve un peu trop. Donc on va essayer de prendre l'avance parce que là, j'ai pas assez de rings. En ce moment, ce qui me manque, c'est des rings. Et de loin, il manque extrêmement beaucoup de rings. Hop. Hop. Parfait. Ah non, j'ai manqué la petite capsule pour avoir quelques rings. Là, ça paraît que Sonic avait beaucoup plus de rings que moi, puisqu'en ce moment, il est juste en train de me clencher côté vitesse. Et en ce moment, ça paraît quand t'as pas assez de rings, t'as pas assez de trucs pour avoir de la vitesse. Et c'est pas une bonne chose. Quand t'as pas assez de vitesse, tu peux rien faire. Là, c'est ce que j'ai grandement besoin. Hop. Hop. Ok, je vais juste pas rater celui-là. Nice. Tombe ici, hop, le petit boost, nouveau niveau de vitesse. Donc ça... Oh, sérieusement, si c'était le dernier tour, je me faisais tellement penser, mais j'avoue que j'aurais pas laissé aller à ma vitesse que j'ai faite. Hein. Je serais allé un petit peu plus vite. Donc là, je suis niveau 3. Donc là, normalement, niveau 3, je devrais avoir la paix sur certains trucs. Hop, on monte en haut. Hop, donc là, je suis en bonne position. Oh, mais Tails, il est tellement loin. Tails, vous êtes toujours pas fini la course, regardez. On est tellement loin. What the fuck. Soit qu'on est trop rapide, ou soit que Tails, il parle en... J'ai quasiment un tour d'avance sur Tails. J'ai hâte de voir le résultat des... Le résultat, point. Ok, je pensais que j'avais manqué. Hop, hop. Faut que je descende ici. Tourne, hop, boost. Boost, 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 voilà. Oh, j'ai tellement hâte de voir les résultats. Ah, c'est beaucoup trop beau. 49 secondes les derniers tours. Ah ouais, 3 minutes 9. Quand même 39 secondes d'avance. C'est quand même pas si mal. On va faire la dernière mission de Babylon, tout simplement. Et après, il va sûrement avoir un épisode final pour le tout. Et oui, ce let's play va être très rapidement, comme vous avez pu voir. Un mystérieux airborne object has just appeared above the site where the X-World Grand Prix is being held. Apparently, Sonic and his friends have gone to investigate. We'll try and get more details right after this important announcement. Oh man, looks like we have company. We gonna rumble? Targeting. Targeting. Attempt. Knuckles, now's not the time to fight! Smart thinking. Let's get out of here. Forget the red mutt. Let's go, Storm! Did she say red mutt? Why you? Hey, Knuckles, wait for me! Skyroad, j'espère avoir plus de chance comparé à ce que j'avais la dernière fois
avec Sonic pour ce dernier niveau. Parce que là, si j'ai pas de chance, j'ai envie de pleurer extrêmement toutes les larmes de mon corps. Hein. Jusqu'à la dernière qui coulera de mes yeux. Donc, on se retrouve pour cette dernière course. J'y crois à mon talent de digne successeur de Diablo X9. Ou peut-être que j'y crois pas finalement. Je sais plus. Non, ça y a quelqu'un qui a réussi à prendre une vague en rond. Je pense que c'est normal qu'il y ait une vague en rond. C'est quand même assez spécial, quand tu penses. Hop, le petit coup. Donc là, j'ai assez quand même de boost. Hop, nice. Donc ça, c'est un bon petit shortcut qu'on peut prendre qui nous avantage beaucoup. Et comme vous pouvez voir, ils sont quand même assez loin, c'est fou. C'est fou quand même que le niveau de difficulté de ce jeu est tellement mal dosé sur certains trucs que même moi je me dis comment ils font pour aller aussi vite que ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Donc là il faut que j'aille par ici, c'est mon endroit privilégié pour le fly. Hop, yep. Il est tellement parti loin lui, il est genre dans le game, dans le futur, futur. Ok. Là il est toujours sur une vague, il me semble. Ouais. Je prenais ici. Hop. Ah le bot a manqué je pense son saut. Hein. Je crois, mais c'est pas une extrêmement une certitude. Wow, non, j'ai manqué le saut. Ah lui aussi. Nice, bon ok. C'est un mal pour un bien. Allez. Je suis encore en deuxième position, mais je me retrouve quand même pas si mal. Oh j'ai voulu taper. Il manquait. Bon, attends, on va prendre un autre boost. On s'en fout, on va reprendre toute notre énergie assez rapidement. Hop. Voilà. Je me rends pas en haut. Enfin, j'ai mieux être en bas que d'être dans la vague. Wow. J'avais tellement pas vu ça que ça allait exploser. Je suis quand même pas si mal. Hop. Le saut. On reprend notre énergie. Le devant plutôt. Et énergie. Non, tout ça, tout ça. Bon. Connaissez les bails, vous êtes rendu habitué. Normalement, je finis la course très bientôt. Je pense que c'est même ici qu'elle se finit, non? Et voilà. Réussi ce premier coup! Étonnant, étonnant de ma part. 41 secondes pour le dernier tour, je l'ai quand même bien clenché. Pas d'erreur, 9 secondes d'avance. C'est bon, c'est bon. Je suis fier de moi, je suis vraiment fier de moi. So don't play games with me! I don't want your pity, nor do I need it! What? Are you crazy? If they don't want it, then let's take it. Treasure is treasure. Come on, let's get out of here! Okay, let's go! What? Finally, something interesting. What's this?
Vous qui croyez que c'était le dernier niveau? Ça l'est pas. Je suis étonné moi-même. Je m'attendais à quelque chose de plus par la suite, je me souvenais plus que c'était exactement ça. Donc Babylon Guardian, tout simplement un boss, vous allez voir, c'est une map en U, ou en ovale plutôt, et à 3 de vie. Et oui, on se bat bien contre un boss, c'est super génial, c'est un jeu vidéo très très cool. Bon, mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on est tous les personnages en mode YOLO, on essaie de faire un truc, et je pense qu'il y a même 3 tours pour battre le boss, ou un truc comme ça. Il y a vraiment comme une technique de... On doit quand même battre le boss. Donc c'est pas non plus genre juste on s'amuse de se rendre à l'autre bout du monde. Je crois qu'il y a vraiment un truc à faire. Mais je sais jamais c'est quoi. Donc on va essayer d'espérer de jump là-dessus. Hop. Et plus rapide que le soleil. Nous sommes tellement rapides. J'aimerais bien faire des trucs trop cool. En ce moment, je fais rien de spécial. Je fais juste récolter aucun rings. On va embarquer ici, pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Si, je viens juste de finir un lap, mais je pense que les laps ça sert à rien, faut vraiment que j'aille taper le gars en avant. Allez, je vais prendre de l'énergie, je dois... Touche-le! Nice! Premier coup de donné, bon. Là on change dans un atmosphère un peu plus space bizarre, je sais pas trop pourquoi. Comme beaucoup plus cool, en mode genre, oh là là, le génie a disparu, et qu'on est rendu dans une atmosphère trop cool, trop dark, et on revient dans l'atmosphère trop dark. Y a rien à comprendre. Donc là, j'essaie juste de reprendre la vitesse au max. Hop, hop. Et là, je vais pouvoir aller battre le boss. C'est parti. Tap Knuckles, on a la paix. Je vais juste accélérer pour me rendre jusqu'à lui. Un dernier coup! Nice! J'ai eu. Bon, ça c'était pas vraiment voulu. Hop! Hop! On double backflip, on prend ça ici de toute façon. Hop! C'est reparti assez rapidement. Je pensais que le temps était à l'envers de toute façon. Ok, donc là je vais juste aller battre le truc très rapidement. Non mais j'étais rendu tellement proche du génie. Je sais même plus il est où maintenant. Ah, il est là-bas. Il est. Wow! Wow! Je suis un génie qui fait wow! Hop, hop. J'étais si près du but encore une fois. On va rembarquer dans ce vent. Parce qu'avec le vent, on va beaucoup plus rapidement. Hop. Hop. Merci. Je me souviens plus de ton nom. C'est sûrement. C'est quoi son nom? J'ai un blanc. Monsieur. J'ai Jet, j'ai Storm, mais c'est qui? C'est Fly, c'est ça, non? Oh, t'es sérieux que ça m'a touché? Touche! C'est toi le loup. Là, normalement, faut pas que je finisse la course premier. Non, 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 non! Est-ce que c'est quand même gagné? Oui, c'est juste battre le gardien. Je crois que c'est juste ça. Normalement, je pense que c'est win. Je crois que si, oui, c'est win quand même. Je pensais qu'il fallait finir premier, je pense que j'aurais fait genre. Too awestruck by the treasure to notice me, eh? Eggman! Now hand over the treasure! What's so funny? Hand over the treasure right now! Okay, catch! The treasure of Babylon is finally mine! Huh? What is this thing? A piece of cloth? Let's see. Ah, this looks interesting. At long last, we've completed our ultimate invention. With this, our lives will be easier without the need to work so hard to keep ourselves flying. Stolen, the 13th leader of the Babylon Rogues. It's amazing. The carpet's rich texture is a sight to behold, and the way it feels is extraordinary. Something such as this could only have been created in Babylon. Undoubtedly, this carpet will be in high demand from all around the world, but what's this? No way.
I went to the trouble of holding the World Grand Prix for this? I can't believe I just wasted my time for this piece of junk! What's this? Good eyes. Didn't think you'd spot it for a second, Shorty, but you did. Hey, what are you talking about? This isn't just a piece of fabric. Right. Take a look at the material. It's the same stuff we use for our extreme gear. You don't say. Oh, it's... Not sure, but maybe it's a prototype gear. A magic carpet? I thought that those only existed in fiction. That's quite funny, actually. I never imagined that we Babylonians could be descendants of real genies. So, you're leaving this place? Yeah! The back of the carpet has more words of wisdom. It says, this was invented to allow Babylonians to travel all over the world to gather treasure. Some things never change, huh? But enough of this friendly banter, Sonic. You better make sure you're ready when we meet face to face once again. You bet. Come on, Jet, it's time to split. Hey, I wanted to say that. We should split too, right? Yes. Voilà, c'est la fin de ce let's play qui a duré 4 épisodes, beaucoup trop bien. Donc merci d'avoir regardé cet épisode de finale sur Sonic Riders. Je ne croyais pas que ça allait finir aussi rapidement, mais finalement j'ai été capable de boucler 104 épisodes. Je veux juste vous dire, si vous avez aimé Sonic Riders, ne vous inquiétez pas, Sonic Riders Zero Gravity commence tout de suite après. Tout de suite après cet épisode, je sais pas quand, mais demain ou après-demain ou peu importe. Sonic Zero Gravity va commencer tout simplement, vu que c'est quand même une continuité du jeu dans certains points, surtout dans le gameplay c'est exactement pareil. Mais bon, on va se retrouver exactement là-dessus, j'espère que vous avez bien aimé cet aspect quand même, n'oubliez pas de laisser un pouce vers un commentaire, et à la prochaine.